on s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Bien, salut tout le monde, c'est Itachi, aujourd'hui on est parti pour une vidéo setup. Bon pote, je prends un accent titan parce que j'en ai rien à faire, j'ai perdu 494. Oh putain, des canettes. T'inquiète pas Jimmy, tu vas t'en remettre. Et voilà les gars, donc on est parti enfin, parce que putain c'était malaisant cette intro, donc on est parti, voilà, donc vue globale à peu près de mon setup et des canettes qui sont putain de tombées là. Oups. Bon bref, donc on est parti tout de suite, donc on commence maintenant avec la souris Mat 4 sera 3 noir, donc elle a 2-3 particularités, je vous explique ça tout de suite. Donc elle a un bouton pour régler les DPI, donc tac, là il y en a plus, enfin bah, voilà, donc enfin moi je sais que j'ai pas besoin de beaucoup de DPI parce que j'ai une bonne sensi, mais enfin pas jusqu'à exploiter par exemple 10 000 DPI quoi. Donc voilà, donc 2 clics normal, 2 boutons latéraux. Il y a possibilité d'avoir des modes. Donc voilà, donc on passe maintenant à mon casque, donc un Logitech G231 Pro Digi qui fait vraiment le taf. Pour 50€, ben, franchement, je pense pas, à moins que vous connaissiez un autre casque, mais pour 50€ sur PC, vous avez rien de mieux quoi. Il s'adapte aussi au PS4 si vous voulez l'acheter. Donc il fait PS4 toutes les consoles, donc voilà, donc il est vachement bien. C'est un micro donc en jack, donc c'est le seul désavantage, c'est qu'il n'est pas en USB du coup. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, maintenant, donc on passe à mon micro. Donc un Tonor professionnel E3000, donc un très très bon micro pour 50€ avec la perche. Donc un micro cardioïde, donc c'est ça sa particularité, c'est qu'il est cardioïde. Et cardioïde en fait ça veut dire que, si, par exemple si vous avez du son derrière, il va pas le capter, enfin il va pas bien le capter quoi. Donc si vous avez le son de votre PC et que vous n'aimez pas jouer avec un casque, bah c'est pas de problème parce qu'on n'entendra rien ou quasiment rien sur la vidéo. Donc c'est vachement bien, moi je joue avec un casque mais c'est pas grave. Et pareil autour, donc il captera que dans un rayon, à partir d'un rayon, enfin, ou beaucoup moins bien à partir de ce rayon là. Donc c'est ça la particularité de ce micro, donc c'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce qu'il est extrêmement bien, généralement il y a toujours du bruit autour de moi. Donc par exemple, je vois le bruit de ma chaise qui grince à mort, enfin bref, voilà. Donc tout plein de petits bruits comme ça qui peuvent être enlevés, donc même via un anti-pop, donc celui-là par exemple est pas mal. Donc c'est bon, donc maintenant on va passer au PC, donc le plus chaud. Donc là vous savez même pas, mais je suis en train de monter l'intro de cette vidéo, l'intro malaisante là. Oui, il est vachement design je trouve, donc sinon, ce qu'il y a dedans, donc le Nvidia GeForce GTX 950M, j'ai même plus besoin de la présenter, elle est pas vraiment énorme pour un PC à 700€ je pense. Intel Core i5 4500HQ je crois, il me semble, enfin je vous mettrai ça dans la description, je me renseignerai mieux. 4Go de RAM parce que j'ai enlevé 8Go. De base ils sont 4, j'en ai rajouté 8, mais là j'ai besoin de thunes pour me remonter un PC. Du coup je les ai vendus, donc voilà, tranquille. Je suis repassé en 4, bon ça fait quand même tourner vachement de jeux. Là vous voyez là, donc je vais vous mettre par exemple là maintenant un peu de rush. Donc voilà. 60 FPS en 720p, ça pose pas de problème niveau lag. Donc mon écran c'est du Full HD en 60Hz, on va pas aller chercher du 144 pour un PC portable à 700€. Donc franchement il est super bien, je sais plus du tout les pouces, on va faire vraiment les détails, je mettrai ça dans la description. Et voilà les raies, la vidéo est terminée, lâche un pouce bleu si ça t'a plu, salut c'était Ritazio.